Mesdames et messieurs, amis miyo, bonsoir, comment nous y? M'espérez que nous en forme. Merci parce que nous connectez avec moi. Merci parce que nous là, sous diverses pages, Wendy Fellio, hein, sous diverses pages que nous gagnons. Merci parce que nous allons suivre également sous Unisonon. Jodi a, c'est avec un pile plaisir, comme d'habitude, moi retourner côté dans live ça, nous pral discuter, nous pral parler pays, nous pral ouais on ensemble de bagailles qui a fait actualité dans le moment et nous pral essayer analyser et faire des commentaires concernant notamment déclaration choc ça. Que Guy Philippe fait, côté monsieur annoncé que, en tout cas lui-même, il pourrait envisager amnistie pour tout chef de gang que nous connaissons qui est dans le pays là, qui a bail problème. Il y a, bon, bail nouvelle là, il y a des compatriotes qui disent, oh, Wendy, qui sont pensés le bagage ça, que Guy Philippe lui-même lui dit là. Eh bien là, nous pral dit ça de penser. Merci déjà parce que vous connectez. Nous déjà, hein, en 1 minute, nous avons gagné près de 500 moun qui live là avec nous. Ça fait un plaisir. Et maintenant, de rendre mon service à partager live là. Partagez-le un petit peu partout pour que plusieurs moun, pour que plus moun capable de joindre. Ok, fais même bien avec moi. Et pendant ma parole là, m'a essayé partager, aller dans partager, dans un contact marqué groupe et puis partager dans groupe, là ça n'est pas capable faire des partages multiples, comme ça on est capable de voyer sous plusieurs groupes dans le même moment et donc travail là, il vient un petit peu plus facile pour nous, hein? Même genre que m'a fait là, ouais. Partage et puis partager dans groupe comme ça. Li à joindre plus monde que possible et puis bon partager sous page tout hein, comme ça plus monde hein, plus haïtien à capable et le sa parole nous en li à privé pilon oui mesdames et messieurs Guy Philippe Guy Philippe frappe encore monsieur font interview avec yon média international dans interview ça. Je dis un pile bagaille. Il dit plusieurs bagailles. Mais il y a environ 2 à 3 bagailles qui ont retenu l'attention, moi-même, Wendy Fell. Et c'est ça qui fait me lancer live, ça. C'est de ça que nous allons parler là. Mais bien avant, la dernière nouvelle qui fait tomber là, yo, avant de me lancer live là, nous connaissons, c'est président dominicain Luis Abinadel, Saint-Domingue. Qui déclarait Ariel Henry persona non grata. Nous connaissons Ariel Henry en difficulté à tel point, il était sorti, il était dans le pays Kenya, il n'est pas jamais capable de retourner parce que tout simplement, la compagnie aérienne n'a pas décidé de faire Haïti dans le moment, puisque la situation sécuritaire là pas permettre de voyager dans des conditions optimales. Parce que au-delà de question l'argent, il y a des membres, des mounes qui n'ont équipage, etc. Faut qu'ils protégés, hein? Faut qu'ils protégés intégrité, mounzaire. Donc pour raison ça, la compagnie aérienne a décidé propose à Haïti donc a fait avion à voler direction Haïti a pas gagné ça dans un moment. Et puisque Ariel Henry était trouvé à l'extérieur du pays, il tout dehors dans un moment. Les bloqués Porto Rico, nous connaissons, c'est des agents fédéraux qui abattent Monsieur Sécurité côté l'IA. Et jusqu'à maintenant, le poco retourné. Il y a des gens qui ont posé cette question, mais pour qui ça, Ariel Henry, pas fait tentative pour que l'IA entre, pour que ça, en tout cas, gouvernement, pas fait quelques tentatives pour voir comment Ariel Henry est capable de rentrer et non, c'est de l'autre zone. Et pas seul Port-au-Prince qui n'y a pas de bah, bon. En tout cas, il y a des gens qui ont posé des questions hein, et rien pour qu'on dit.
hein, rien pas dit. Bon, il y a des monde qui dit le patap ka descend tout dans l'autre côté yo, puisque il y a des monde qui a manifesté, qui dit non, on va recevoir Ariel Henry. M'a dit moun sa yo, yo dormi dehors dans la mesure où si Ariel Henry, si c'était une manifestation que t'as faite pour te bloquer Ariel Henry dans l'aéroport international Toussaint Louverture, dans l'aéroport Port-au-Prince, Ariel Henry t'a rentré, t'a retourné parti encore, t'a retourné entrer. Parce que manifestation, on deux trois moun pas qu'à le bloquer, on est porte, on croit que la police nationale d'Haïti t'a agi. OK, mais là c'est une situation tout à fait exceptionnelle, c'est des chefs de gang, c'est des bandits, c'est des touristes qui a envahi coûte zam sous avion qui a descendu dans l'aéroport là. Donc c'est pour raison ça qui fait justement compagnie aérienne décider pas voler dans le pays d'Haïti. Mais si c'était pour manifestation, 1000 moun, 2000 moun te met à manifester devant l'aéroport là, et ben si c'est Tibaï Pacifique qui t'a fait Ariel Henry, t'a rentré, t'a retourné entrer encore. Donc, puisque monsieur li en difficulté, li pa ka entrer dans le pays d'Haïti, il y a des tentatives qui étaient faites pour que yo te entre à monsieur Saint-Domingue pour li te finalement rentrer en Haïti, soit m'pa konnè en voiture ou autre. Et Nouel Abinadel te bloqué Ariel Henry. Il te dit Ariel Henry, en tout cas, il pa, yo pa recevoir avion qui a mené Ariel Henry. Ya. Et jodi a non interview que Abinadel bay, monsieur déclaré que Ariel Henry, persona non grata en République Dominicaine. Pour moun ki pa konnen, le dit on moun persona non grata nan un pays, ça veut dire moun sa li pa bienvenu nan pays. Par exemple, Dominicain dit Ariel Henry, persona non grata, ça veut dire monsieur pa bienvenu, Sylvie ni yo pa bien recevoir, etc., etc. Et s'il pa nan pays ya tout, yo ka pa même bal autorisation pour que le rentre dans le pays. Donc c'est ça, les amis, qui persona non grata. D'accord? M'espérer que Jean-Rony ou joue une réponse, le dit moun persona non grata, ça veut dire moun sa li pa bienvenu, yo pa bien recevoir s'il rentre dans le pays côté ou déclaré le persona non grata. Par exemple, dans le pays d'Haïti, si on ambassade a fouillé bouche dans l'affaire Haïti toute journée, ou capable ou gouvernement dit moun ça, yo déclaré le persona non grata en Haïti, etc., etc. Et yo ka même bal quelques jours, bal on délai pour que le quitte pays a s'il était déjà dans le pays. Donc voilà, c'est ça, persona non grata. Moi, même décision ça, contrairement avec un pile moun, moi capri, capri, dans la donne, ça pas fait ni chaud ni fret, dans la mesure où Louis Abinadel, son petit fréquent que lié, son petit raciste que monsieur y est, monsieur pas jamais raté en occasion pour le blaser Haïti, monsieur pas jamais raté en occasion pour le montrer que Saint-Domingue supérieur à Haïti, pour le montrer qu'en tout cas, sans Saint-Domingue, Haïti pas rien, pour le montrer en tout cas que le yo vle yo capable humilier nous. Au-delà de la personne de Ariel Henry, c'est Haïti, monsieur, a humilié. Donc, le on neg, comme si m'da dit, que Louis Abinadel a pris des décisions contre Haïti ou bien contre on neg qui n'en tête l'État Haïti a, peu importe animosité, peu importe problème que nous t'accapons bien avec neg ça sous pouvoir, moi-même, comme si ça pas fait me rire, ça pas fait me griller d'homme parce que Louis Abinadel, encore une fois, son raciste que lié, son neg qui parle ou Haïti, peu importe moun qui était sous pouvoir, même si c'est pas Ariel Henry, peu importe moun nan tape humilié quand même. D'accord? Li tape humilié moun nan quand même parce que c'est ça que le gagne comme volonté. Depuis que ça a été dans la campagne, il a parlé Haïti mal. Donc, c'est ça que moi m'pap bat bravo, m'pap griller dans ça. D'accord? Moun ouré, mais probablement Ariel Henry pral l'émissionner là parce que le déjà en difficulté. Demain c'est mon remet en cap sous pouvoir quoi me souvle Ariel Henry pap et Louis Abinadel pap traité le mieux que je l'ai traité que je l'ai traité Ariel Henry jodi. Donc ça fait quête nous qui doit régler problème pas nous avec Ariel Henry parce que monsieur sont nuls, monsieur sont vauriens, monsieur sérieux, monsieur etc. Mais comme si m'tadou a fait abrégrin dans parce que Louis Abinadel a humilié Haïti. On prend m'a raison, moi m'a prend plaisir dans ça. Donc ça c'est première information. Deuxième information qui t'est gagné, nous t'es well, c'est gang yo qui t'a fait tentative pour que yo t'al attaquer palais national et hier soir. Malheureusement pour yo et heureusement la police l'a prouvé une autre fois encore qu'elle existait. Ben la police là li campé li fait face avec monsieur yo et gagne plusieurs bandits qui tombaient. Il y a quelques semaines tout quand on passait sur réseau social
Tout quand on passe sur les réseaux sociaux, ou jeune en série de monde qui t'appelait vive gang à bas la police, vive BESAP à bas la police. Jodia, au-delà de la personne de Ariel Henry, gang yo, c'est existence l'État même yo mettait en question. L'homme dit l'État m'baroué moun qui cap gouverné ya, moué l'État en tant que institution. Jodia, comportement gang yo, même si comme sous tape bat bravo pour il y a quelques semaines parce que ou t'es passionné, parce que ou t'es sous émotion, etc. Je dis à travers plusieurs actes que nèg sa a fait là, ça pape empêche ou pape incohérent si ou t'a dit que ou pape supporte sa gang yo a fait là. Parce que action que gang yo a fait là, n'a pas pour payer ça 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Et probablement Ariel Henry a gitta mouri, a gitta gon l'autre moun ki remplace le moun ka remplace la quand même gitta mouri encore, a gon l'autre moun ki remplace le. Et nous même qui jeunes, n'a pas pour nous payer ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça faut que nous suspendre avec position brigandaille que n'a prend comme Sindadou parce que nous t'es fâché puisque t'es gon déblosaille qui t'est passé 7 février, gen des moun qui t'es gen zam nan meyo qui t'a fait partie de BESAP qui t'est tombé etc. C'est la police qui t'a tout. Au-delà de question ça, c'est nous qui doit être sous émotion, nous disons pile bêtise, mais je dis, un mois après, on garde qui sa gang a fait là, on garde qui conséquence y aura le gain sur futur nous, sur avenir nous comme peuple, et puis dites tout, est-ce que vous supposez continuer à supporter à d'autres ça? Parce que ça a fait là, il a tout bagaille, mais pas révolution. C'est des terroristes qui saccagent un pays. C'est des terroristes qui prennent la vie moi-même avec une plus difficile. C'est des terroristes qui, en tout cas, compromettent pour, en tout cas, 50 ans là, à venir nous. Ça gagne à faire là, encore une fois, m'a rappelé, m'a redit pour nous parce que c'est important. Dégâts gang ça au dit en fait dans pays ça pendant une à deux semaines là, c'est des bagailles n'a pas gagné pour nous payer pendant 10 à 15 à 20 ans encore. Ça est extrêmement important. Donc la police t'est campée mais yo pas arrivé prendre parler national et il y a plusieurs qui tombaient et n'a dit la police nationale d'Haïti bravo parce que encore une fois yo prouvé si yo pas là. Si ti green policier sa yo ki rit la ka bataille ki comme si m'ta yo pa décidé fè bak a gang yo y a bataille faut nous bat bravo pou yo. Bon moi même moi bat bravo pou yo. Moi bat bravo pou yo m'di yo kembe la parce que yo gen courage en pile. Pendant m'a parlé de gang n'a tombé sous déclaration que Guy Philippe lui-même li fait. Guy Philippe non interview que le bail zami yo partage m'vle gen 2000 moun là rapide vite hein m'vle 2000 moun t'aime garder combien partage m'gen là et parce que m'vle gen 2000 moun rapide sous live ça en aller et partager pour que nous capable arriver à 2000 moun parce que là nous pral parler de Guy Philippe là nous pral entrer dans sujet sérieux que nous devle et bon m'pa dit sujet c'est un sujet qui pisse sérieux que nous devle débattre à soir. OK donc partager t'aime garder moi combien partage nous gen. Donc, non, nous pas partager, les amis. Il y a 1400 moun qui ont regardé, et puis, sous page ça, il y a seulement 40 moun qui partagent. Et dans 40 là, moi-même, je partage le 10 fois. Ça veut dire qu'il y a environ 30 moun qui bon me partage. Donc, quand même, les gars, quand même, monsieur, dame, partagez vidéo, s'il vous plaît, pour que l'autre moun capable. Oui. Guy Philippe, qui baille, il y a une interview, à qui un journaliste international, agence Reuters, gen BBC qui reprend interview ça. Non, interview à Guy Philippe dit plusieurs bagages qui intéressent. On commence à première parce que nous pas prêt à faire débat sur lui. Guy Philippe annonçait que désormais, il tournait dans politique. Guy Philippe annonce désormais li tourner dans politique. Je fais qu'on elle t'es sénateur, li t'a dans élection pour sénateur, pour t'es vin sénateur, pep t'es voté, li t'es élu, yo t'es emprisonné, etc. Le pat qui t'en fait rien. Et là, désormais, décide retourner dans politique, li pral participer dans élection yo, et volonté c'est pour le vin président de la République. Il y a quelques semaines, quelques mois, Guy Philippe t'a parlé, t'es dit, oh, lui-même, li pourquoi nous a fait élection, bagay, c'est révolution que l'a fait. Mais finalement, Guy Philippe a avoué qui ça
Monsieur, mettez à nu tout ça derrière tête li. Objectif Guy Philippe dans minute côté que n'a parlé là, c'est pour le vin président de la République. Bon, sous question ça, moi j'ai des monde qui dit ah monsieur veut vin président de la République, t'es quoi le pays des droits civils et politiques. Me fait plusieurs émissions sur ça. Et côté m'a fait débat juridique avec un conseil de monde qui qu'on doit moins montrer par A plus B que Guy Philippe monsieur pas perdu droit civil et politique dans le pays d'Haïti. D'accord, monsieur pas perdu droit civil et politique. Maintenant, est-ce que capable, est-ce qu'il a accepté candidatil non éventuelle élection cap pour faire ça, c'est l'autre question. Parce que on y aura peut-être on pose des questions pour ça Wendy dit Guy Philippe pas perdu droit civil et politique. Et c'est ça que des fois mon yo dit ah Wendy ou sont en bout de bouda bah ça, mais c'est parce que certaines fois mon yo pas mettre nos dimensions pour comprendre analyse que n'a fait, parce que non émission que n'a fait nous gain droit bon on analyse juridique. L'aime faire analyse juridique, l'aime bay un avis juridique, c'est en tout cas le juriste qui parle. C'est moun qui fait droit, qui a parlé, qui a bon en analyse juridique, qui a dit, mais qui ça la loi, selon la loi, mais qui ça loué. Et dans même émission, ça, m'a capable bon en information, ça c'est le journalisme, qui font analyse, ça c'est l'analyste qui parle. Donc, faut que nous mettez dans dimension pour nous comprendre et certaines fois, et comment, pour nous aborder, comment pour nous ouer, où on dit nos émissions que l'a fait. Là, par exemple, M. Dinou, Guy Philippe, annonçait que, objectif li c'est pour le vin président de la République non interview que le bayoutez. Là c'est le journaliste qui donne une information. Maintenant, moi dis nous, il y a des moun qui commentaient qui dit t'es quoi monsieur le père du droit civil et politique li. Et même moi même nous dis nous selon moi même et en fonction de analyse que me fait l'homme garder et qui ça la loi dans le pays d'Haïti dit qui sa constitution dit. Moi crois que Guy Philippe pas perdu droit civil et politique. Parole ça, c'est le juriste qui parle parce que lui font considération juridique en fonction de sa texte dit. Maintenant, si tu demandes au juriste pour qui raison, comment elle a justifié ça le dit, comment elle a justifié parole ça quand elle dit Guy Philippe pas perdu droit civil et politique, il y a Mabdou Algadé article 5 6 7 et suivant code pénal pays a. Ou après que yo dou on est qui condamné par exemple pour un délit, on est qui condamné à 3 4 5 6 ans d'emprisonnement, même 7 ans d'emprisonnement, même 8 ans d'emprisonnement, eh ben nèg ça li pa perdi automatiquement droit civil et politique li, parce que peine ça, la peine d'emprisonnement c'est une peine correctionnelle que lié et article 1er code pénal pays a dit on peine correctionnelle li existait uniquement pour un délit et peine correctionnelle là pas ni afflictive li pas ni infamante. Peine correctionnelle là était en peine délictuelle, était en peine correctionnelle, et puisque son peine correctionnelle li pas entraîné automatiquement perte perpétuelle de droit civil et politique moun. Et puisque Guy Philippe yo t'es condamné avec yon peine, n'ta kap di, bon, puisque les États-Unis ont un même système avec nous, yo t'es condamné à 9 ans d'emprisonnement, et vu que selon loi qui était en vigueur, qui règle les questions blanchiment dans le pays d'Haïti, dans la période côté yo t'es jugé monsieur, dans la période côté yo t'es jugé monsieur, et dans la période côté monsieur t'es fait ça yo que yo t'es reproché là, l'on essaie de transposer par exemple dans le pays d'Haïti, ou après que si en Haïti, on a jugé Guy Philippe, de toute façon, on a jugé pour un délit, parce que le blanchiment à l'époque et jusqu'à maintenant, n'est pas un crime, il était un délit qui entraîne une peine correctionnelle. Et puisque c'est une peine correctionnelle, c'est un délit. Et puisque c'est un délit, il n'y a pas de perte automatique de droit civil et politique pour la personne jugée et condamnée, etc. Et pour raison ça, puisque le pas automatique, puisque on pas prononcé le non plus, donc, il est évident que Guy Philippe lit toujours un droit civil et politique. Li, parce que constitution pays a li dit ou pas ka poser candidat pour vinn président seulement sous t'es condamné à une peine afflictive et infamante. Peine afflictive et infamante yo selon sa article 6 7 code pénal la dit
eh ben ces travaux forcés à perpétuité, ces travaux forcés à temps, c'est la détention, c'est la réclusion, etc., etc. Parmi toutes peines à Ogumbanou, qui est afflictive et infamante, et seulement qui infamante. Ça afflictive et infamante, qui visait la Constitution, hein, pour ça, c'est, on a parlé de gros crimes, assassinats, etc. Eh ben pour ça yo depuis on moun condamné depuis on tribunal ta condamné au moun automatiquement moun ça perdu jusqu'à ce que le moun tout droit civil et politique. Donc c'était pas le cas pour Guy Philippe et donc pour raison ça voilà monsieur pas perdu droit civil et politique. Donc rapidement là en quelques minutes sans bagne aucun papier dans même moi ba nous on analyse juridique nous font commentaire juridique avec nous pour me prouver nous pas A plus B pour qui ça me dit Guy Philippe pas perdu droit civil et politique. On y a une fois que me fin dit ça on va entrer dans des considérations politiques et c'est l'analyse politique qui reprend la charge. Est-ce qu'on comprend? Donc, faut nous mettez comme si, mettez moun sous nous pour que nous comprenions les transitions à faire en journaliste là, en juriste là, en tant que pour nous capables plus ou moins bien comprendre une personnalité, ça que c'est Wendy Fell. En aucune manière, nous pas dans question, tambour, débouda, etc. On a fait des analyses, puisque nous objectif, puisque nous pas gagné camp, puisque nous pas travaillé pour moun, n'a fait bagala selon sa conscience, nous, dis-nous, donc, ou qu'à comprendre que n'a balancé, mais c'est pas question de balancer. C'est des analyses, c'est des nouvelles, n'a baillé. J'en baillé la ya et qu'on s'en a doué. Mettons dans considération politique. Guy Philippe fait comprendre que capable, objectif, c'est vice président de la République. Et, dans même interview, il dit, il est retourné dans la politique officiellement. Et là, il a posé la question concernant Gagnon, puisque tout connaît, c'est Guy Philippe qui vient à parler de question révolution depuis l'Elfine libéré le rentrer dans le pays d'Haïti. Bien que, faut nous dire, barbecue, t'es déjà, c'est qu'on a parlé de question révolution. Mais barbecue, pour que j'en prenne dimension que le prend là. Peut-être barbecue. Qui m'en compte, Guy Philippe, bon, hôtel, pour te prendre dimension que le prend là, en termes de violence. Bon, Guy Philippe libéré, Guy Philippe vient à parler de révolution, et Guy Philippe publiquement te fait appel avec commandant barbecue, et comme ça, Guy Philippe t'a les messieurs. Donc, automatiquement, selon l'information que me gagne, il y a des échanges qui fait entre Guy Philippe avec barbecue, puisque, 1er janvier, Guy Philippe t'a annoncé, on sait de bagaille, en un pas de fête, il était échoué dans 1er janvier, puisque 7 février, en un pas de fête, monsieur t'a échoué dans 7 février, etc. Donc, il y a des échanges qui fait, peut-être, il y a des conseils qui baillent, et puis barbecue, il prend tête, mouvement, révolution, etc. Et puis tout bagaille, ça y a fait. Donc, je vais poser, monsieur, questions, qui sont pas innocents, parce que mon mieux, ils ont informé, ils ont compris, on sait de bagaille qui a passé dans le pays d'Haïti, tout. Je vais demander, Guy Philippe, et qui l'ont gagné avec gang yo. Guy Philippe dit dans interview que li pas gagné lien profond avec gang yo. Est-ce que nous bien entendez? Monsieur dit le pas gagné lien profond avec gang yo. Donc on y a soit tendez seulement pour tendez, soit li seulement pour li. Ou capable dit tout. Eh bien, Guy Philippe dit qu'il n'y a pas de lien avec gang, non. Il n'y a pas de lien avec gang. Guy Philippe dit qu'il n'y a pas de lien profond. Qui est-ce qu'il y a un lien profond? Je ne sais pas, Guy Philippe qui connaît de qui ça l'a parlé. Mais Guy Philippe fait comprendre lui-même qu'il n'y a pas de lien profond avec gang. Un lien profond, ça capable de dire que il n'y a pas fait partie nèg yo, li pa, comme si il pas en dan gang nèg yo ou bien il pas en contact et serré avec nèg yo, li pas fonctionner de manière étroite avec nèg yo, mais li gon lien quand même avec nèg k'ap fè mouvement sa dans la rue. Ça le dit en substance. Nèg la dou li pa gen lien profond. S'il dit li pa gen lien profond, donc li gon lien. C'est seulement lien ça. Li pas extraordinaire, lien sale, pas profond. Ça veut dire, li pas nié que le gon lien avec nèg sa ou nan la rue qui fait mouvement, crasé, brisé, violence que nous est là. Ça, c'est la deuxième information que me joigne dans l'interview que Guy Philippe baille ou thèse là. Troisième bagaille que le pral dit, et c'est là que nous pral fait le débat,
Partagez, continuez partager, amis. Merci, merci. Continuez partager. Bah, mandez netoual, bah, mandez nous partager seulement pour parole là capable de véhiculer. Hein, parce que ma question étoile, là, c'est on ne dit pas mandez là sur Facebook. Ok? Mais bon petit partage pour plus pour nous capable de tout simplement ça. Troisième bagaille qui intéressait dans l'interview, c'est question amnistie. Dans la même interview, Guy Philippe fait qu'on est la bataille pour le président. Et une fois que lui prend pouvoir, eh bien, il y a un projet pour l'amnistier, pour le bail amnistie avec tout chef de gang. Ok? Maintenant, le même temps des paroles, ça, nous tombons pour plusieurs raisons. C'est parce que depuis quelques jours, il y a plusieurs Haïtiens, malheureusement, moi qui, chita, parler de amnistie, et sur tout réseau social. Mais moi, d'ailleurs, qui s'est amnistie à la vérité, yo ne pas qu'on est. Yo ne pas qu'on est. Le son est un coup Guy Philippe qui vient parler de amnistie, je dis à la. En vérité, me dit tête moi, Guy Philippe, monsieur Cap Van tête li depuis le fin Libéria, comme yon moun qui diffère, comme un politicien qui différent de radoté Cap fait politique dans le pays d'Haïti là, à tel point, monsieur même décidé à parler de l'autre Haïti, il doit bien révolutionner le système, etc. En même temps, des déclarations, ça, dernière déclaration, ça, que Guy Philippe a fait là, moi, je me rends compte que Guy Philippe, monsieur, c'est copie conforme tout vieux politicien, ça, qui a fait politique dans le pays d'Haïti là. Ouais, samedi là, nous connaissons. Dans pile là nous pral fâcha avec moi. Dans pile là nous là pral commencer jouer, qui pral commencer dit tout ça que nous voulons. Parce que jodi a là tout le monde en question de Guy Philippe. Mais m'a dit nous ça d'emblée. Je m'en fous que nous fâché pour ça que m'a dit là, mais c'est ça me senti dans Guy Philippe, nous pas qu'à empêcher que me dit. Même si nous, mille d'annonces, ah, on dit, bah, moi, comme, bagay, je m'en fous, m'a dit, non, bah, bye. Parce que ça me sentit à m'obliger de deal. Parce que on est, d'un coup, Guy Philippe, qui, bien environ 3 mois là, ou bien 2 mois, qui fait plusieurs mois, depuis l'Elfine Laguerre, à promettre nous que, lui, c'est seul, nèg, probablement, qui cavine Eden avec insécurité, à. Monsieur fait comprendre que moun ki la c'est parce que yo pa gen volonté, yo gen la mais yo gen ceci etc. yo pa gen volonté pour résoudre problème. Si li même li prend pouvoir en 90 jours, li capable gérer une question sécurité ça. Il va mentir m'a faire, on nous connaît même pas d'en faire mentir sur moun. Pas d'en faire mentir sur moun. Alors attendez déclaration que Guy Philippe fait. Guy Philippe promet que en 90 jours monsieur a bail la comme si la Haïti a blanche question insécurité al pape existe encore tout bandi a rentré dans trou bien l'a éliminé tout bandi etc. À tel point naïf que m'te dit par exemple en proposition comme ça m'te dit mais si Guy Philippe pas qu'à faire révolution hein, si monsieur estimé que il pas gain suffisamment de capacité pour le chamba des systèmes non. Mais pour qui ça, par exemple, li pa mande pour yo, dans le cadre d'un dialogue politique, pour yo bal ministère défense, par exemple, pour yo ta nommé le général en chef la MEA, le sa, li tap gen pouvoir, li tap gen poste de responsabilité, li tap gen pile nek gen zam nan me yo sous commande li, le sa, li tap gen plus capacité pour que li te aille. Et ça m'était fait comme proposition, parce que m'était prend Guy Philippe là, oh, tellement au sérieux, comme si on est qui a une volonté pour venir aider peuple haïtien goumé contre cette forme de criminalité
qui a crasé le pays. Et puis je dis pour Guy Philippe par honte, c'est Guy Philippe qui a vint nous, comme si Guy Philippe a vint nous là, on amnistie totale pour tout chef de gang en pays. Mais finalement, Guy Philippe là sont bluffés, même j'ai avec André Michel, même j'ai avec tout l'autre politicien qui a dit belles paroles au pas sous pouvoir. Mais finalement, c'est des nègres qui pas fait, qui pas une pièce l'autre objectif que viennent soucer dans l'État tout. Qui ça amnistie à Zamimio? Parce que moi si m'a parlé dans les considérations là, m'ka dit trop paroles parce que en vérité, Guy Philippe monsieur enragé. Comme si amnistie pour ISO, amnistie pour éventuellement barbecue, amnistie pour l'homme au 100 jours, amnistie pour viter l'homme. Parce que dans tête Guy Philippe, nous sommes des révolutionnaires que vous avez. Mais il faut être bête comme acteur politique pour avancer ça comme projet. On a les qui sont amnistie à bon déjà. Qui ça la loi d'un pays d'Haïti dit sous question amnistie ça? Si nous besoin qu'on qui ça la loi dit sous question amnistie dans le pays d'Haïti, prend constitution pays a t'es bloqué citoyen ça ok. C'est pas un garçon, non, son femme moui qui gen bouche sale comme ça qui vient jouer Wendy. Bon, bloco. OK, oui. Si nous besoin qu'on qui ça amnistie a font petit coup de jet dans article 57 constitution hein. Pas gen loi jodi a pas gen trop de détails sur question amnistie dans législation pays a, mais seulement constitution pays a dans article 147 là dit. L'article 57 là, il dit comme ça, l'amnistie ne peut être accordée qu'en matière politique. Qu'en matière politique et dans des conditions prévues par la loi. Est-ce que vous entendez? Constitution dit, constitution déjà mettons balise pour lutter contre l'impunité par exemple. Pour lutter contre l'impunité, il dit que amnistia ou pas qu'à baili pour des mouns qui commettent des crimes terribles. Ou capable accorder amnistie seulement en matière politique. Ça veut dire qui ça? On nègre qui commette un crime politique ou bien une infraction politique, pour me dire clair. Si toutefois la justice, par exemple, t'a condamné mouns ou bien t'a poursuivi mouns ça, puisque infractions sont infractions qui ont rapport avec la politique, eh ben, ou capable éventuellement amnistier. C'est pas la première fois débat a fait sous causer amnistie dans le pays d'Haïti. Le ministre qui est venu dans le pays, après le coup d'état qui est fait sous Jean-Baptiste Aristide, gros débat t'as fait sous question amnistie. Est-ce que n'a amnistié chef de gang yo, chef gang qui déciderait mettre zam ou pas? Et société a été décidé, pas question. L'ONU a décidé, pas question pour que n'a amnistié des criminels. Jusqu'à maintenant, pourquoi je me dis donc qu'il s'est amnistié? Amnistie, c'est une décision que yo prend. Son décision que vous prenez pour un groupe en faveur de un groupe moun qui commet des crimes, qui commet des infractions. Et à partir de décision ça, c'est comme si société a oublié tout sa moun sa a été fait non un objectif de paix, non un objectif pour que une fois que moun sa yo amnistié, yo permet moun sa yo réintégrer société encore comme ça doit pour continuer à fonctionner comme si c'était de paisibles citoyens. Est-ce que vous entendez? Voici ce que c'est l'amnistie, mesdames et messieurs.
Est-ce que vous entendez? Ça veut dire, je dis à la barbecue, iso, le mensonge, Bouddha par exemple, que nous avons qui a mangé quand on a fini de tout il y a quelques semaines. Si on prend on loi d'amnistie là, et puis on dit amnistie, tout ça que Bouddha fait, ben, demain si Dieu veut, probablement, on va rencontrer avec Bouddha dans la rue, ou pas qu'a fait rien, ou bien en tout cas, la justice pas qu'a arrêté, parce que tout ça que tu fait avant que tu prennes la loi d'amnistie ça, en faveur là, mais tout péché ça, yo, c'est comme si Mdadou yo réparé au nom de Jésus. Monsieur vin blanc, tant qu'on neige devant Dieu la justice. Voilà. C'est ça qui est amnistie. Et probablement, amnistie n'a pas tant qu'une grâce. Le amnistie en monde, c'est comme si infraction que vous te reprochez, ou bien s'il te condamné, condamnation ça n'a pas existé encore. Dans le casier judiciaire, moun sa capable de retourner dans la société à venir poser candidat, il pour être capable de venir député, sénateur, magistrat, même président même. Par exemple, si ou ta amnistie ISO, ou ta amnistie barbecue là, dans la prochaine élection, kap gen une fois que ou fin amnistie, nèg sa capable de retourner venir dans l'élection tout bagay. Voilà. Très souvent, nous tendons à parler d'un série de bagay dans un pays étranger. Mais nous ne pouvons pas comprendre dans quel contexte on prend telle ou telle décision et puis nous-mêmes nous prenons dans le pays d'Haïti, n'a pas parlé de yo. Il y a plusieurs fois dans l'histoire monde ça que yo mené des pays ou bien des gouvernements mené des politiques d'amnistie juste pour capable et comme tu as dit ça permettre que société évolue. On prend exemple Afrique du Sud. Nous songez, bon, même si nous pas trop étudié Afrique du Sud, ben nous connons Tipati dans l'histoire pays ça avec Nelson Mandela quand même. Nous songez en Afrique du Sud, t'es un régime d'apartheid, on sait aussi pas deux crimes qui ont été faits parce que tout simplement t'es une idéologie raciste qui t'a dominé société ça, discrimination etc. Quand plus le monde qui t'est victime et le régime ça vient tomber avec notamment Nelson Mandela, un autre régime vient monter, eh bien pour être capable faciliter une sorte de réconciliation entre moun sa ou que te pensé ou te supérieur par rapport à l'autre groupe dans la société jusqu'à ce que te fait un pile crime sou yo, pour te capable faciliter question réconciliation ça, eh bien, gagne yon comité de réconciliation que ou te mette sous pied. Et justement, parmi ça que yon t'a pral décidé pour te favoriser processus de paix, ah ben, il était intégré question amnistie ça. Malgré qu'on partie dans population sud-africaine n'est pas d'accord, mais il estimait que c'était bon choix. Et ça qu'il a été fait. Mais ça qui est extrêmement important pour nous comprendre, c'est que dans société ça, dans période là, crime ça a été fait déjà, un changement de régime qui est fait, etc. Et tout le monde reconnaît le rôle, tout le monde reconnaît ça qu'il a été fait qui mal, tout moun décide, par exemple, mande l'autre la pardon, dit l'autre la que n'a pas fait fort pour que n'a pas fait ça en gros, et puis, c'est comme ça, question amnistie a été abordée dans le pays Afrique du Sud. N'a pas pris pile l'autre exemple. Mais dans le contexte pays d'Haïti, y est là, non minute côté que n'a pas parlé là, c'est inadmissible, c'est inconcevable qu'un politicien, et même dangereux pour un politicien, pas pelle, pas crête, la vin présenter en amnistie pour tout chef de gang comme Kwamdadou son solution miracle. Une fois que ça vin fait, eh ben, gang pral déposer les armes, eh ben, pays d'Haïti a vin paisible, population pral capable justement vaquer très bien avec occupation. Il faut être stupide pour penser ça. Dans le contexte pays d'Haïti, dans le contexte nous est là, dans le pays d'Haïti, nous pas à parler de question amnistie.
Pourquoi ça me dit ça? Ou qu'a parlé de amnistie non société ou bien non pays côté 1 justice ou la fonctionner 2 ou des forces adéquates pour qu'on goume avec moun ko ou souhaiter amnistie 3 ou qu'on l'état fort qu'a fonctionner parce que amnistie c'est comme si m'ta capable dire ou bay moun sa yo on dernière chance. Ou pral amnistie pour ça que vous avez fait déjà, dans le cadre d'un processus de paix, faut que vous reconnaissez que vous faites une faveur. Et en retour, vous avez une obligation envers la société pour vous non seulement déposer toutes les âmes que vous avez, remettre l'état des âmes, mais il faut que vous avez une volonté à tout pour que vous vivez un coup de paisible citoyen. Et il faut que vous faites comprendre en retour. Si toutefois yo pas fait ça que ou mandé ou a en tant que l'état, eh ben y a bon choix, c'est cimetière ou bien prison. Et le ça va montrer yo qu'on a capacité pour que ou poursuivre quel que soit côté que yo y a et mettre yo dans prison ou bien tout yo éventuellement à ça. Si toutefois yo pas respecté ça qu'ou même ou proposé yo. Dans le contexte que nous là, quand c'est nèg yo k'ap fait la pluie et le beau temps, ou dit pour président pral amnistie, eh bon, ou a président, ou a amnistie barbecue, isoti la pluie, l'un mensonge etc. Alors que c'est nèg sa yo qui force la dans société ya, nèg sa ou fait sa yo vle, ou a amnistie yo jodi ya. Jodi dimanche là, eh ben dans demain lundi, demain mardi, demain mercredi, même nèg sa yo a reprendre la rien encore, y a continuer touye moun, y a continuer manger moun ki yo fin koché, y a continuer assassiner, y a continuer kidnapper moun justement parce que y a espéré encore y a jwenn amnistie. On prend et c'est comme ça. Ba la a tourner. Nan contexte ça, ou pa ka a parler d'amnistie. Et déclaration ça a fait moi très clairement que justement Guy Philippe j'en comme dit tout à l'heure monsieur pas l'autre bagaille que on l'autre bluffer qui vienne à vendre monde des bagailles qui vienne à vendre monde une personnalité que lit loin pour le taille Guy Philippe pas monde que nous pensions que pas monde que la bonne tête y a zambio à partir de déclaration ça monsieur justifier ça. Monsieur justifie ça. Si Guy Philippe capable, après le fin pas son pile temps là, abdi nous dans 90 jours le cas résoudre problème sécurité. Est-ce que nous on bagaille? Nous ouais par exemple, t'es gain élection là. T'es gain élection dans période Zayo là et puis Guy Philippe vinn monter comme si m'dadou, li vinn prend pouvoir avec discours ça dans 90 jours pour la sécurité. Et puis après 90 jours, pays vin pi mal. Nous, ouè danger. Et c'est après période ça que monsieur Tabine propose nous amnistie. Pour gang. Bon, il va même proposer nous amnistie pour gang. Il t'a pris une décision pour amnistier gang. Est-ce que nous, ouè dans qui tintin pays ça t'a tombé? C'est ça que fait. Avant nous prenons parole dans mes politiciens haïtiens, réfléchis bien. Suspendre mes politiciens. Marcher derrière un politicien pour ça le fait. Marcher derrière un politicien parce qu'il a un projet politique qui est viable, qui est capable d'aider le pays d'Haïti à sortir dans la souffrance que lui a. Suspendre marcher derrière un politicien parce que il est un tel. C'est ça. Moi-même, je conseille non. Parce que comme ça, N'ap suspend honte. Parce que très souvent, nous honte, c'est parce que nous mettons confiance, nous, aveuglement, sous tel ou tel individu. Alors que l'individu, ça, lui-même, lui, pas gain confiance dans propre tête, pâle. En tout cas, Zamimio, c'est ça que m'tap dit nous. M'pa pas rentrer dans plus de détails. M'tap kap dit en pile bagay sous question amnistie, ça. Mais, amnistie, encore une fois, en résumé, c'est une décision que l'État prend
pour supprimer caractère infractionnel tout crime que on est capable de faire à un moment donné. OK? Donc, dans mon sens, vous captouillez moun, captouillez moun, cap kidnapper moun, etc. Iso captouillez moun, cap rager moun, cap kidnapper moun, etc. Ti l'appli, cap fait même magala. Guy Philippe tap vin la, li amnistie, puis s'entende ya, nek sa o, ou tap rencontre avec on la rue, nek sa o blanc comme neige. Ou sou ta traité ou de criminel, yo tap même gen pouvoir traduire la justice, parce que, yo bénéficié de on amnistie. Puisque yo bénéficié de on amnistie, un, c'est comme si yo pas de commettre pièce crime dans la société. Ya. Deux, c'est comme si ben, yo blanchi, on prend yo. C'est des moun honnêtes que nous imaginez, ça mieux. En tout cas, merci un peu nous tous qui t'a regardé là, qui t'a suivi. Merci pour cela que t'es pas basé, mais et Guy Philippe là, monsieur son cas. Vraiment, monsieur son cas. Ok, monsieur son cas. Je vous aime. À bientôt. Ouais, l'autre là, jouer pour Guy Philippe. Et comme ça, nous t'avons joué Moun pour Matéli en 2010. Et comme ça, nous t'avons joué Moun pour Matéli en 2010. Nous t'avons même à craser Vilokai pour Moun de Ben ou Matéli. Bon vagabond. Ou pas à côté de pays, je veux dire. Nous toujours à pas agir avec passion. Nous toujours à pas agir avec émotion. Et ça fait moi très souvent, des fois, moi je n'ose de monde qui a dit que et pas tout haïtien qui t'a supposé qu'il doit pour voter dans le pays. Parce que très souvent, j'ai l'impression qu'on s'est de monde qui va me réfléchir même. Qui va me réfléchir conséquences après gagner telle ou telle décision que vous prenez pour voter tel ou tel individu. On prend? Toujours à agir avec émotion. Allez, à parler plus tard dans l'autre vidéo. Merci parce que vous êtes abonné, merci parce que vous partagez, merci parce que vous laissez un commentaire. Je vous aime, mes amis. N'a pas toujours parlé, n'a pas toujours poté des informations pour des analyses et des commentaires sous ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Allez, à bientôt.